Aujourd'hui, dans Vraiment Vrai, nous retrouvons Christelle et Sébastien au service après-vente de la maternité de Briançon-sur-Marne. En effet, après avoir conçu et mis au monde Jonathan, les jeunes parents ont été contraints de porter plainte contre leur progéniture pour tapage nocturne et diurne incessant. Ils ont donc rendez-vous avec la juge dont ils attendent le verdict. Oui, eh bien, j'ai examiné votre dossier. Et effectivement, il a l'air relou, n'est-ce pas? Yep. Bah c'est assez simple, le petit pleure toute la journée, il pue, il écoute pas ce qu'on lui dit, c'est ignoble. Madame, vous confirmez que c'est ignoble? C'est avec soulagement que Christelle et Sébastien sortent victorieux et nullipares du tribunal postpartum de Briançon-sur-Marne. Ha ha, chais. Service après-vente des naissances, bonjour. Pas satisfait de votre progéniture? L'État prendra en charge votre dédommagement. C'est la mère Michelle, nourrice aimante et bouchère aguerrie, qui viendra chercher le paquet pour vous libérer de ce fardeau inadéquat. Vous recevrez d'ici 3 semaines un colis de la part de la mère Michelle à consommer sous 15 jours. Madame Omar et Fred vous accompagnera en toute discrétion et avec professionnalisme dans votre démarche. Surtout, soyez prudent avec la viande, c'est à conserver au frais. Les deux amoureux sont ravis de cette situation. Regardez-les prendre leur voiture pour convoler en juste noces. Libéré de ce fardeau, votre vie de couple prendra un nouveau départ. Aujourd'hui, zoom sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, la vente d'enfants. En effet, beaucoup de parents ont décidé de passer le cap, plus de 7 parents sur 10 en 2022. Après relecture du contrat et de toutes les clauses, votre indemnisation s'élèvera à 15 euros pour le petit Théo. Nous sommes d'accord. Je ne comprends pas le prix. L'enfant a pourtant été très peu utilisé. Il est en très bon état. Nous avions le double en tête. C'est ce dont nous avons parlé ensemble. Vrai, j'avais oublié le fait qu'il était à ce niveau dans la grille. Restons sur 30 euros, ça vous va ? C'est ainsi que beaucoup de parents retrouvent une vie plus paisible, débarrassés de leur fardeau.